Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Light as torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. Exactement. Attendez, on ne sait pas encore si elle y va. Elle n'a pas intérêt. Sinon, ça confirme totalement. Il y a un petit moment. À savoir qu'on essaie de faire passer Abby pour les enfants et Ellie pour la méchante. On essaie de nous faire adorer Abby et détester Ellie. Malheureusement, c'est en train de marcher. Ah, mais il va. On n'y va pas. Ellie. Rendu, c'était simple au début, c'est pas très gentil. Au bout d'un moment, pour insister pour revenir à Jackson, pas supporter parti dans le bois. Je suis rentré tard. Dina m'attendit, elle était furieuse, mais m'a juste pris par la main et m'a emmené me coucher. M'en veut tellement. Ça recommençait. J'ai assez ainsi. J'avais. Je l'avais coincé dans une vieille station de service. Pissait le sang et hurlait exactement comme lui. Toutes les images sont revenues. Je l'ai laissé crever là. Ma peau m'a fait mal. Quand est-ce que ça se calme? Le sang est censé teindre d'envie. Hanté par ton sourire. Le masque est lourd à porter, un pas en avant, deux en arrière, j'ai la corde où. Plus je m'éloigne, plus je souffre. Comment réussir à couper ce lien? J'ai attendu le lever du jour, mais la nuit perdure. Pas qui je suis, aveugle. Ai-je un familier? C'est revenu, j'ai pas débarrassé assez. Oui, je l'ai à l'envers, c'est pas grave. Je suis débarrassé des images assez vite, mais ma peau me fait mal toute la matinée. Je n'ai pas réussi à me rendormir, Dina est restée avec moi. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Je ne sais pas comment fait Dina pour parler de JC aussi facilement. J'ai raconté tout ça. Elle m'a dit que ça me faisait du bien de parler de jeu pour évacuer. Vu comme ça, j'ai l'impression de faire une indigestion de souvenirs. J'ai pas trop envie d'en parler, ça me fait mal, c'est tout. En plus, je suis sûr que si je commence, je pourrais plus m'arrêter. J'ai emmené en balade aujourd'hui, Hilary, début à la fin. Je n'ai presque pas repensé à Seattle de la journée, c'était cool. Mais. Je sais qu'elle est ronde. Je sais qu'en fait c'est très compliqué parce qu'elle est rongée par les souvenirs. Mais faut qu'elle apprenne à vivre. Pas le choix. Non, c'est. Excusez-moi du mot. Enfin,
Excusez-moi, mais sinon c'est guerre sur guerre sur guerre. Et malheureusement, enfin, encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec Ellie, avec Abby et Ellie. Malheureusement, le jeu veut qu'on le fasse. On n'a pas le choix. Le jeu veut qu'on le fasse. Copyright! Du copyright! Attendez, option, audio. Ah. Non, c'est de la cinématique. Tant pis! Tant pis, tant pis! Tant pis, tant pis! Tant pis, on s'apprend les copyrights. Mais attendez, c'est la fameuse soirée! M'en parle pas. Ton vieux m'a passé un savon aujourd'hui. T'as dit quoi? J'ai eu droit à un serment sur les patrouilles. Faut pas aller là, là-bas non plus. En fait, il est comme ça chaque fois que tu vas sur le terrain. Ouais. Elle a l'air de bien s'amuser. Je parais que dans 2 semaines, vous ressortirez ensemble. Ça risque pas. Elle t'a parlé de moi? Plutôt 1 semaine. Ellie! Salut! T'en as mis du temps? Mais je suis là, non? Dina? Jessie? Viens. Vous couchez pas trop tard, hein, parce que demain, on se lève tôt. À vos ordres! T'es pas sympa. Arrête. Commence pas avec ça. Ok, j'ai une question très importante à te poser. Est-ce que je sens mauvais? On dirait que t'as dormi dans une poubelle. Oh, ok. T'aimes ça? C'est dégueulasse. Ouais, t'aimes ça. Famille ici.
Désolée. Désolée. Vous savez que des gosses peuvent vous voir? Ouais, heureusement que t'es là pour nous montrer l'exemple. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ellie? Hey, Ellie, arrête. Fous le camp d'ici. Je t'interdis de me toucher. Hey, ça suffit. Allez, viens, on va faire un tour. Et eux alors? T'en occupe pas. T'as besoin d'un peu d'air frais. Tout va bien, Ellie. C'est quoi ton problème? Quel connard! Il avait pas le droit. Parce que toi si. J'ai pas besoin de ton aide, Joël. D'accord. T'es un petit peu dur là, Ellie. Oui, c'est un connard, mais bon, Joël il a rien fait. Joël il t'a rien fait. Salut. Salut. Eh ben, ça fait longtemps qu'il avait pas fait une nuit complète. Il a eu une dure journée. Ouais. Il va bien. Allez, reviens te coucher. On reparle de tout ça demain, d'accord? J'ai pas le choix, je dois y aller. Non. Non, c'est faux. Tu dois rien à Tommy. J'arrive plus à dormir. Je mange plus. Je suis pas comme toi, Dina. Quoi? Tu t'imagines que c'est facile? Si je tiens le coup, c'est uniquement pour lui et pour toi aussi. Je t'aime, Dina. Prouve-le. Reste. C'est impossible. Alors quoi, je suis censée rester ici et attendre sagement ton retour? Passer des semaines, des mois, des années à me demander si t'es encore en vie? J'ai pas prévu de mourir. Ah ouais? Bah va dire ça à Jessie. Ou à Joël. Ouf. Attends, arrête, attends. Reste, je t'en supplie. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Non. Je refuse de revivre ça. À toi de voir. Ellie, t'as rien compris ? Joue à quoi ? Mais tu fais quoi, Ellie? Constance. Ok, Constance. Maintenant, on cherche. On est venu ici la semaine dernière. Et dire que t'as échangé un pistolet contre cette info. C'est une piste. Ça m'étonnerait que ce type ait vu des lucioles ici. Arrête. J'ai un bon pressentiment. Pas moi, non. Allez. De retour avec Abby. Voir comment elle s'en sort. 24,
sera pas de ce côté. C'est les pères, là. 24-09. Alors, le 24-25, c'est par là? Ouais. Dis, si les Lucioles existent encore... Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, à ton avis? Je sais pas. Leur objectif, c'était de rétablir la société. Mais bon, il y a un tas de moyens pour y parvenir. ...24-17. On chauffe de plus en plus. Oh, j'espère pas. Chut, j'entends quelque chose. Enoch. J'ai pas perdu mes réflexes, moi. Bon, on est tranquille. Peut-être. Bon, et Abby, du coup, reste une curieuse. Car rien n'a changé, quoi. Enfin. Si, en soi, si, elle a refait sa vie, quoi. Oui, c'est vrai. Reste sur tes gardes. Allons trouver cette maison. 24-25. Bien joué, mon pote. Bon, alors. On s'attend pas vraiment à trouver un groupe de résistants ici. 24-22. Ça veut dire qu'on est tout prêt. Ah, non. Je pense que c'est là, ou c'est encore d'après. Je vois pas de numéro. Ouais. C'est forcément celle-là. Tu crois pas? Si. Par là. Voyons voir. Bon. On dirait que c'est à l'abandon, comme toutes les autres maisons. Continue à chercher. 24-25 Constance. C'est là. D'accord, mais il n'y a rien ici. Ça, on n'en sait rien. Bon. Ah, ça me fait chier du côté des lits. Pour que ça ressemble à l'extérieur, mais les plantes, ça ressemble pas à ça. Disons que c'est comme ça que les enfants imaginent l'extérieur. Dans l'ancien monde, les chambres d'enfants étaient souvent décorées comme ça. Mon père m'avait peint une jungle de toutes les couleurs. Yara aurait adoré ça. J'en doute pas. On est combien de temps là plus tard?
quelques bonnes années, à mon avis, vu que ses cheveux ont repoussé. Pour moi, on est quelques bonnes années. Fermé. Tard. Il y a une autre entrée. Je rêve, t'es optimiste. Je vais peut-être me rendre utile. Pas besoin, t'es toujours utile. Ah, j'adore la relation entre les deux. Mais ça me saoule. Mais ça me saoule parce que ça prouve bien que c'est... Enfin, essaye de nous faire adorer Abby, c'est pas le problème. Et arrête, je... Ellie, ça, ça me pose un problème. Et ça, ça me pose déjà un peu plus un problème. Nada. Il y a vraiment rien. C'est pas possible. Ça, déjà, ça me pose... On va pas se cacher. Oui, Ellie, c'est... Enfin, vous savez, c'est l'un de mes persos préférés. Le fait qu'il nous la fasse détester. Bon, même si, honnêtement, ils nous la font détester. Parce que le jeu est énorme, parce que son personnage est énorme, parce que tout ça. Donc ça n'empêche pas au fait que... Je la... En fait, j'adore le fait de la détester. Voilà. Grâce à ce jeu, j'adore le fait de la détester. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Je crois qu'on a fait le tour, Lev. Non, attends. T'as trouvé quelque chose? Des traces. Pousse-toi. Bien joué. Eh oh. Et elle, on dirait qu'elle est vraiment plus dans traquée. J'ai bien peur que t'aies raison. On dirait pour le moment en tout cas. Et le problème, c'est pour moi, Ellie. Ils étaient pas trop mal installés, finalement. Quoi, deux solutions. Ou elle s'arrête quand vraiment elle a plus rien. Vu comment elle est partie, m'étonnerait. Ouais, elle s'arrêterait que quand on en mourra. Il y avait du courant ici. Fais le tour. Panneau solaire. Ah. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici. Tu vois un indicatif quelque part? Un quoi? C'est une suite de chiffres et de lettres. Ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Ok, donc on a Santa Barbara. Il y a quelqu'un? C'est quoi ça? C'est des fréquences. Y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici Abby de Santa Barbara, quelqu'un me reçoit? Est-ce que c'est des avant-postes de Luciole? J'en sais rien. Quelqu'un me reçoit? À vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence? Ici Abby de Santa Barbara. À vous. À vous. J'ai l'impression que tu cherches juste à se barrer de Santa Barbara. Sur cette fréquence. Allô, ici, Abby de Santa Barbara. Quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, répondez s'il vous plaît. Répondez-moi. Salut, Abby. On te reçoit 5 sur 5. T'appelles d'où à Santa Barbara? 24-25 Constance.
On nous a parlé de cette base, mais il n'y a personne ici. On cherche des lucioles. Je suis une luciole. T'étais en poste à quel endroit? J'étais à l'avant-poste de Salt Lake. Qui dirigeait l'avant-poste? Le docteur Jerry Anderson. C'était mon père. Abby Anderson, du coup. Si je m'y attendais. On a vidé tous les avant-postes satellites et on a rassemblé tout le monde ici, à la base. Et vous êtes combien? On est environ 200 maintenant. Chaque mois, on a de nouvelles recrues. Owen avait raison. Comptez-en deux de plus. Comment on vous rejoint? L'île de Santa Catalina. Allez vers le grand bâtiment avec un dôme à Avalon. On vous trouvera. Ok. Alors, à très bientôt. Terminé. On vous attend. Bonne chance, Abby de Santa Barbara. Terminé. Viens, on retourne au bateau. Ok, donc Abby va, elle, de son côté, rentrer. D'accord. T'avais raison. T'as dit quoi, pardon? Pourquoi tu me fais toujours répéter quand je me trompe? Parce que ça me fait plaisir. Et aussi parce que ça n'arrive presque jamais. Pardon? T'es où, mon petit? Quoi? Comment ça par là? Oui, mon petit. T'es prêt? Hé, hey, tu fais quoi? Attends! Putain de merde! Ça va aller. Occupe-toi du gosse. Non, ils l'ont pas tué! Ne le touche pas! Je vous ai interdit de le toucher! Non! C'est une sacrée prouesse, pas vrai? T'es allé où ensuite? Deux, quatre, deux, cinq, Constance. Putain, Ellie! Ah, tu me fatigues, Ellie. Fatigue, mais encore une fois. Je trouve que dans ce jeu, on n'a pas le choix. En fait, dans ce jeu, on subit. Ça se présente plutôt bien.
contre, j'adore le style de Ellie en mode adulte, j'adore. Voilà. Tous les sens. Je vais pas vous cacher, la partie optimiste de moi voudrait que Ellie vienne, croise Abby à terre, la sauve. Et ça s'arrête là. C'est la partie optimiste de moi. Et honnêtement, je crois que moyennement. Voilà. Ok. Je crois plutôt moyen. Ah là là. Bon, je m'excuse, je mets pas beaucoup la cam, mais bon. André, c'est la fin du jeu. Pour moi, c'est... Bon, alors... Mais ça bluffe. Je suis là. La direction de Santa Barbara, c'est... Par là. Non, je vous ai oublié, vous les infectez l'espace de 2 secondes. Pour le coup, je rigole tout de suite beaucoup moins avec toi. Je joue tout de suite beaucoup moins avec toi. Oh, mais... Mince. Bon, je vais lire ça. Pour mon... Pas tout. Ah!
Mais bande de tarés! Mais vous êtes con. Page! Mon dieu. Bon. Pas trop fou. Par contre, enfin... Pierre, Ellie, j'attends vraiment par contre à ce... T'accueille bien gentiment à ton retour. Elle est beaucoup trop mune pour ce gars. Mais bon. Pas grave. Prenons que c'était normal. J'espère que je peux passer par là. Épais-le. Bon, calme. Je te préviens, Abby, si tu t'es fait buter par des infectés. Si tu t'es fait buter, vas-y, je vais te buter, mais... Faut que je me casse d'ici. Mécanicienne, on a obtenu... Pour le moment.
Après, je m'amène du pion, les AGI. Voilà, mon riz. Voilà. Par là. Bon, où je suis. Ok. Santa Barbara se trouve en bas. 24, 25, Constance. Ok, bon bah on descend. Pardon. Par là. Bon. Je sais même pas si c'est pas la première fois que je mets la cam dans ce... Forcément, bah. Ouais, tu vas pas mourir non plus. Pas maintenant. En fait, tout ce champ pour moi là. Voilà. Là-bas. Bon, tu m'as déjà fait caler tellement de flèches. Bon, ok, on arrive à les récupérer, mais bon. Voilà. Voilà quoi. Bonjour. La vache. Quoi? C'est quoi ce délire? Ah quoi? Encore toi. C'est dans un sale état. Putain. Elle tiendra un mois à tout casser. Sérieux, on pourrait pas s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, descends l'infecté de là qu'on remette les pièges en place. T'es sûr, mec? Ça vaut vraiment le coup de la ramener. Elle est pas si... Merde. Oh, t'as mordu? Non, j'ai rien. J'ai rien. Oh putain. Tu trouves ça drôle? Je crois que t'as chié dans ton froc. T'as dit quoi là?
Tu dis que t'es une vraie mauviette. Ah, tu te crois marrante, c'est ça, hein? Allez, debout! Arrête! Debout! Ça vaut pas le coup! Je m'en fous! On va claquer de toute façon! Viens à toi! Attends! Ça va plus loin, hein? Rigole! On t'en fout, on est immunisé! Abby, tu cherches une Abby, pas vrai? On en a chopé une, il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Une fille musclée. Blonde. Des bras comme les miens. Accompagnée d'un petit merdeux avec des cicatrices bizarres. Ouais, c'est bien elle. Laisse-moi partir. Je te dirai où elle est. Tu la trouveras avant que l'infection prenne le dessus. Parle. Elle est dans une cellule, dans notre camp. Et c'est où ça? Va de ce côté-là, jusqu'à la voie ferrée. Ça t'amènera à un complexe. On les met dans le grand bâtiment circulaire. Je te le jure. Grand bâtiment circulaire. Merde. J'y retournerai pas. Il a un flingue. J'y retournerai pas. Putain de merde. Putain. Où est-ce qu'il a trouvé un flingue, bordel? Dis aux autres de ratisser le secteur. Vérifiez que c'est le seul à être sorti. Et faites gaffe à sécurité. Ouais. Évadez! Je sens que je vais adorer cette arme. Bon, vous avez pas de mine par contre pour moi? Vous avez vraiment pas de mine? J'adore cette arme. Et s'il y a pas de mine, ça va être... En soi, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller discret, non? Et discret. Repérer tout ça.
au miroir. Alors parce que même pas on se cache. Rien à foutre. Ok, donc il est où ton grand bâtiment sur terre? Si tu veux me tuer, finis-la, putain. Ferme-la. Fermez-la. Elle est où cette voix? Là, y a rien. Seul. Ah. Et... Ok, bon, on a tout ce qu'on peut avancer. Marqué. Star Wolf Fistol, vous allez tous se faire foutre. Super, voyez. Jusqu'au complexe.
Raft. Ouais, ça. Ça, c'est un grand bâtiment circulaire. Comment je vais entrer là-dedans? Comment tu te... Mon mari est mort en ramassant vos tomates. Mais on n'est pas seul, je viendrai avec vos renforts. Okay. Et donc en gros, c'est des... Il y a des contrôles. Ah, c'est... Oui, c'est des marchands d'hommes, quoi, en fait. Ça va, j'ai... Clavage. Salut. Allez, tu vas y arriver. Encore un petit effort, mon grand. Laisse-le tranquille. Il ressent rien du tout. Allez, laisse-moi. Je lui ai promis que tu fais ça. Franchement, t'as rien de mieux à foutre. Tu arrêtes, tu regrettes d'avoir essayé de t'enfuir là, hein? Hein, Anthony? Il y a eu un bruit. Viens, suis-moi. Je te couvre. Attendez. Oh non, ça c'est pas mal. Pas plus de mine, gars. Vraiment. Bon, ça on a plus de mine. Pourtant qu'il y a du monde, on peut pas. Ok. Tu m'échapperas pas. Merci. Pas t'échapper. Là.
Je la ferme. C'est fini. Ces types sont complètement tarés. Non. 3. Bon. Ah, c'est... Oh, j'ai une carte. Ouais, c'est pas le moment. Je vais clear. Dab. Améliorer au cas où. On a des choses à améliorer ou pas. Ouais, c'est vrai qu'avec Ellie, on est bien amélioré, vraiment. Ok. Il peut y avoir du monde. Voilà. Oh là, fais gaffe avec la musique. Mais coupez-moi cette musique! Ouais, vous. Carrément des. Je vois. Ah, oh, je sais pas. Beaucoup trop court. Un peu con ça, non? Ah oui, c'était un peu con. C'était un peu con, non? Rebond. Pour faire très simple, le jeu a crash.
d'évasion. Par ici. Genre vraiment? Est-ce qu'on va crafter des choses, on va crafter ça? Putain non! Non, c'est un... ok. Qu'est-ce qu'on mettre la pression, pas l'inverse. Ok. Bon, par contre, on en parle de la musique du flag. Attendez, d'ailleurs, on va l'enlever tout de suite. Voilà. Ça fait rien. Super, je kiffe ma vie. Ça va ? Ah. Ah, on se fera flag les rodifs. Capt. Je crois qu'en fait c'est lui qui capte. Ouais, c'est lui qui capte, mais il est attaché. Donc fais gaffe. Oh là, attendez, ellipse. Ok, bon. Ah, il vaut mieux. Ok. Ici, là. Ah, j'ai plus de balles. On continue. Salut. On veut éclater. En bac. Par ici. Putain, l'enfoiré. Thank you.
Non. Mais ils font mal! Non, moi qui ai déclenché ma mine. Merde. Ok. Toi, tu la fermes. Merci bien. Plein donc pas grave, on a carré. La phase d'infiltration n'est pas simple, faut le croire, pas simple. Si immune pour absolument quoi. Hey, c'était pas elle. Je vais voir ce qui se passe. Parle à qui? Parle toute seule, ma peau. Très bien. Quoi? Qui? On s'en fout, on a de la vie derrière. T'inquiète pas, je sais où je vais. Merde. T'en fous d'être discret. On s'en fout des discrets, on n'est pas là pour ça, on est repérés de toute façon, de partout. Putain, il y en a d'autres. On est repérés de partout, donc autant... Allez, t'arrête pas maintenant. Donc pas forcément la jouer là. Pas forcément la jouer discret. On est neutre. Jenny, t'envoies du bœuf, des pamplemousses et des pommes de terre que je viens de recevoir. On a été impressionné par le nombre d'évadés que j'ai capturés. Ils ont été impressionnés, pardon. Et ils ont voulu me récompenser. C'est la meilleure récolte qu'on ait eue depuis qu'on s'est installé ici. Assure-toi que ma mère mange bien. Elle est trop maigre
Elle était trop maigre la dernière fois que je l'ai vue, pat. Par là, il y a quoi? Et dalle. Ça a l'air d'être calme. Faire avoir, hein, j'aurais faire ça, vous le savez. C'est bon. Pourquoi limite c'est. Ça tire. Ferme-la. Ferme-la. On peut crafter des choses. Okay. Excuse, mais vraiment j'ai crafté ça pour le moment. Mais je tire combien de balles à côté? Oula! Salaud! Mais crève! Mais crève au bout d'un moment! J'ai vu un truc bouger. Évadez! Juste là! Les roubignoles. Par là! On prévient!
Putain, mais arrêtez avec vos cocktails Molotov, c'est dingue ça. Avec moi, quel droit. Voilà, ok. Fais le tour. C'est bon. Ok, on va fouiller les cadavres. On va pouvoir fouiller, refaire des mines, fouiller tous les cadavres. C'est pas mal en fait d'avoir de faire comme ça, fouiller à la fin. Pas plus mal. Maintenant moi. Ouais, j'avoue, au bout d'un moment, elle est où, Abby, quoi. Bon, bref. Ça vaut le coup. Bonne nuit, j'ai trouvé. Non, il y avait un truc sérieux dans la chaise. Pas du tout. Pas chez eux là. Porto. Ok. Bon. Et voilà. De fuir. Ils l'ont mise aux colonnes. Les colonnes ? Va à la plage. Tu la trouveras. Elle est sûrement déjà morte. Allez ! Willy. Enfin, je dis, c'est vrai que tu es là, t'en continues. Quoi qu'il a eu, tu peux pas faire de... pas faire marche arrière, t'es morte en fait. Enfin, tu fais marche arrière, t'es morte. Et avant qu'il fallait faire marche arrière.
À voir l'état d'habit, mais enfin, a priori, vu notre état, enfin, vous voulez qu'on fasse quoi? On va juste arriver devant un bio, on va crever. Comme un caca. Tu n'auras pas volé, Ellie. Fais chier, mais. Fais chier, mais. En même temps, c'est. Que le jeu veut qu'on ait testé Ellie et j'ai pas envie. Et sa plaie s'est rouverte. Rien gagné, Ellie. On peut encore faire demi-tour maintenant. Encore une fois, je sais que vous allez vous dire, ouais, mais arrête-toi, fais demi-tour. Non, le jeu n'est pas prévu pour. Le jeu veut qu'on avance, le jeu veut qu'on y aille. Le jeu s'en fout. Enfin. Je veux pas qu'on attende. Allez là. Elle est là. Elle? Pardon. Elle doit être là. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas là? Elle ça? Ah bah non, elle est là. Ah oui, ok. C'est toi. Voilà, voilà. Maintenant, tu la laisses. Des bateaux par là. Voilà, voilà. Le meilleur scénario possible. C'est le meilleur scénario possible. Tu tiens plus debout, elle tient plus debout. Arrêtez, vous vous sauvez toutes les deux. Voilà, vous avez tous les deux tout perdu. Vous arrêtez. Voilà, chacun son bateau et tu... Fini. Oh merde, non, Ellie!
peux pas te laisser partir. J'en ai assez. Arrête, Ellie! Arrête! Non, arrête. Il n'y a rien à voir dans cette histoire. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Non. Tu te bats pour un truc et t'es en train de... Tu te bats contre ce qu'elle a fait à Joël et t'es en train de faire exactement pareil. Arrête, Ellie. Arrête. Les deux, elles en peuvent plus. Les deux vont mourir. Arrête, Ellie. Rien gagné. Tu vas tout perdre, c'est tout ce que tu vas avoir. C'est du coup pour coup, ils vont s'entretuer. Ça suffit, arrêtez! Arrête, Ellie, arrête! Arrête! Garde... Quoi? On a deux doigts en main. Non. Non. Un. Bah ouais. Bah ouais, t'as tout perdu. T'as rien gagné.
Je dorme. Vous savez où on est, et vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer. Faut arriver. Au bout d'un moment, faut arrêter de se mentir. Le choix a des conséquences. Faut pas arriver, enfin, pas nous attendre. Elle a laissé une chance. Oui, t'as tout perdu. T'as tout perdu, Ellie. T'aurais dû t'arrêter à temps. C'est quand même revoir, la revoir, savoir qu'elle va bien. Tu bois quoi? Du café. T'en as trouvé où? Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... C'est pas mauvais. Je maîtrisais avec cette. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles. Ok. Dina. Vous êtes ensemble? Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Oh.
Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer... J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. Je crois que t'as pas compris. Et pour... N'empêche. Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Ça serait bien. Ok. À plus tard. Ouais. Et elle a jamais pardonné. Il est là le vrai problème, c'est qu'elle a jamais pardonné à Joël. C'est ce. J'espère que le micro il capte bien. J'ai l'impression que par moment il capte mal. C'est bon. Là où? Qu'est-ce que tu fais encore? Il moque sur ton avec Tommy, tout ça. Et arrête. Ça n'a plus aucun sens. Alors oui, ce jeu est excellent. Déjà, commençons par la base, oui, excellent. J'ai encore les larmes aux yeux comme la bataille Eliabi, enfin la première bataille qu'on a eue dans le théâtre. Ouais, j'en ai pas plus. J'ai pas plus évoqué que ça, mais oui. C'est. T'as les larmes aux yeux et surtout tu l'as là parce que tu te fais. Putain, Abby, on nous fait de l'aimer. Ellie, c'est notre premier amour. Laissez-le. Laissez-les tranquilles. Ellie n'a jamais pardonné et je pense qu'en fait, il n'y a qu'à la fin
que pour moi, on comprend tout le jeu. C'est pas qu'une histoire de vengeance. Hein. C'est pas t'as tué Joël, non. Il y a ça. Mais c'est surtout, elle n'a pas réussi à pardonner à Joël. Elle n'a pas eu le temps de pardonner à Joël. Et à la fin, il est trop tard. Et il n'y a qu'à la fin, pour moi, la scène avec la guitare, c'est ça, c'est elle lui a enfin pardonné. Waouh, ce jeu est excellent. Je vous le dis clairement, je fais partie des gens où il ne faut pas The Last of Us 3. Pour moi, en fait, il n'y a rien à dire. The Last of Us 1, il y a une question. La question qui est celle-ci. Et au final, plus ça va, plus on se dit. Enfin, qui est. Est-ce qu'elle est au courant? Et au final, plus on joue, plus on se dit. Ouais, mais en fait, le jeu, il nous donne pas la réponse. Il nous donne pas la réponse. Est-ce qu'elle est au courant? Ou alors, la réponse, on l'a, mais c'est. Ouais, ok. Elle est au courant, mais entre guillemets, c'est juste une petite cinématique, mais non. Au final, tout le jeu est basé là-dessus. Tout le jeu est basé sur le fait qu'elle n'a pas eu le temps de pardonner à Joël. Qu'elle n'a pas pu pardonner à Joël parce que Joël est mort avant. Waouh. Waouh. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est une pépite. Je sais que c'est pas le let's play d'année. Je sais que c'est pas le style de let's play qui marche le mieux sur la chaîne. M'en fous. The Last of Us fait partie de mes jeux préférés. The Last of Us 2 en fait partie également. J'ai surkiffé. Waouh. Le personnage d'Abby, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'est le but du... j'ai l'impression que c'est le but du jeu. On ait beaucoup de mal et puis que qu'on apprenne finalement en la jouant à l'apprécier et à détester Ellie, qui n'est pas mon cas parce que vu mon gros coup de cœur que j'ai pour Ellie, je peux malheureusement pas la détester. Mais putain, quel jeu! Oh là là! Et malheureusement, encore une fois, Ellie s'est arrêtée beaucoup trop tard, parce que oui, Ellie revient, à moins qu'on ait un flashback du contraire, mais sinon, pour moi, Ellie a tout perdu, Ellie n'a rien gagné, Ellie est restée bornée sur le fait que il ne fallait pas qu'elle pardonne à Joël, il fallait qu'elle l'attende pour pardonner à Joël, et elle a tout perdu à cause de ça. Oh là là. Et pour moi, je vous le dis clairement, la menace sur Lev, elle l'aurait fait, ça aurait été la goutte d'eau. Tu fais pas à quelqu'un que tu y reproches. Elle reproche à Abby d'avoir torturé Joël, de l'avoir tué. Papa, tu es Lev. Il n'a rien fait, il n'a rien à voir dans cette histoire comme Abby l'a dit. Qu'est-ce que tu viens y faire? Oh là là. Et du coup, Yara qui a été clairement l'élément déclencheur de la relation entre Lev et Abby, qui vont devenir. Honnêtement, s'il y a The Last of Us 3, pour moi ce sera entre les deux, mais clairement j'en veux pas parce que pareil, leur histoire est finie. Eux, ils retournent, ils vont à. Il rejoignait Luciole, qu'elle a contacté. Eux, c'est fini. Enfin, et encore, est-ce que c'est vraiment des Lucioles ou c'est le kidnappeur? Ça, j'ai pas envie de savoir. Je préfère croire qu'ils vont rejoindre que c'est des vrais Lucioles qu'on a eu à la radio, mais que voilà, au moins comme ça, c'est réglé. Ouais, pour moi, Ellie avait tout
avait tout pour repartir. Elle avait Dina, elle avait Gigi, elle avait une maison, elle avait une ferme, elle avait tout. Oui, oui, t'es malheureuse. Mais ça fait partie de la vie. C'est ça, et faut apprendre à vivre avec ses émotions, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos émotions positives comme négatives, avec nos chagrins, avec nos joies. C'est la vie. Et le problème, Ellie a beaucoup, beaucoup trop forcé. À la fin, Abby le dit elle-même. Elle n'en peut plus. Elle veut plus. Et moi, je l'ai vu. À la fin, quand on la libère, je fais « Ok, on va pas la libérer. On peut pas juste la libérer, on va la tuer. » Le problème, c'est que... Et à la fin, pour moi, le flashback où on voit Joël, c'est ça, c'est « Ouais, tu vas la tuer. Ça ramènera pas Joël. Ça te sert à rien. Tu peux la tuer. Ça va te donner quoi ? Qu'est-ce que ça va te donner ?» Pour moi, ce jeu a tellement de morale. Ce jeu est génial parce qu'il a plein de morale. Il est extrêmement mature. Il y a plein de choses où tu peux interpréter tellement de choses. Tu peux... Je vais baisser le son dans mes oreilles. Je vais vous le baisser un petit peu aussi pour vous. Il y a tellement moyen de voir plein de choses. Pour moi, je vous le dis, ce jeu est une pépite, si je le répète. Et clairement, pour moi, en fait, le jeu s'est accéléré à partir du moment où on passe dans le théâtre. J'espère que tu me dis qu'il arrive, je garde le bouton sur la cam, là où. Pour moi, en fait, le problème, c'est... En fait, c'est sentiment contre ça. C'est ça. Et au final, Ellie a fait exactement ce qu'a reproché à Abby. Et je pense que vous l'avez vu, le gros problème que j'avais avec cette... C'est pas que je ne l'ai pas aimé au début, c'est qu'en fait, étant donné que je faisais des épisodes assez longs, je jouais, et dès que j'avais plus envie de jouer... Oui, fait que ça faisait des épisodes d'à peu près une heure parce que enfin, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup, entre guillemets. Et la fin, je vous dis, j'ai tout enchaîné. Donc, depuis le théâtre, pour moi, c'est la même journée. Enfin, sauf le cut que vous avez vu avec le crash où c'était 2 heures avant. Pause entre les deux. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce let's play. J'espère franchement et sincèrement que ça vous aura plu. Il n'y aura pas de display. Je ne vais pas le remplacer maintenant. Je profite de la fin de l'année pour, entre guillemets, faire tout ce que j'ai de côté. Merci à tous. J'espère franchement que ce display vous aura plu. On se donne rendez-vous doux. Très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Bonne année. Merci à tous, c'était Para, et n'oubliez pas, encore une fois, le jeu vidéo peut faire passer des beaux messages, et ce jeu en est la preuve. Beaucoup de gens disent que le jeu vidéo est un art, et beaucoup de gens ne les croient pas, le jeu vidéo est un art. On peut tellement faire passer des beaux messages. Est-ce que j'en ai la preuve? Certains me disent assez souvent « Ouais, t'es un geek. » Déjà, de manière péjorative, je préfère le terme « gamer » parce qu'il est un peu moins péjoratif, on va dire, vis-à-vis des gens. Et même si c'est le cas, ouais, et je suis fier de faire partie de cette communauté de joueurs. C'est pour tomber sur des pépites comme ça. C'est pour avoir d'aussi beaux messages. Ouais, je suis fier. Je suis fier d'avoir au moins une fois dans ma vie pu faire ce jeu. D'avoir pu vous faire part, de vous partager ce jeu.
Ce jeu est une tuerie. Ce jeu est génial. Merci à tous. Merci aux droits d'auteur. C'était pas. Bye bye tout le monde.